Un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne envie. Où commence notre monde? Ton cœur a parlé avant toute chose. Alors bienvenue à la maison forestière à Mackenheim. Merci d'être venu pour ce pique-nique de retrouvailles, puisqu'on va démarrer la deuxième année de préparation vers la confirmation. Ouais. Le comité de paroisse va accueillir une dame qui vient nous visiter. Oui, non? C'est qui Saint-Odile? Du jubilé du 1300e anniversaire. Alors, on ne fête pas la mort d'Odile, mais la naissance à la vie éternelle. Tout le monde fait du sport? Tout le monde a un vélo? Oui. Eh bien, on va accompagner la caravane. Donc, ce que je vais vous proposer... À 50 km/h, non. La camionnette va rouler doucement pour qu'on puisse l'accompagner. Mais il faut savoir qu'elle sera sur notre communauté de paroisse du vendredi midi 15 jusqu'au samedi 13h. Et samedi 13h, elle va partir d'Artolsheim et elle va passer dans la communauté de paroisse d'à côté, à Wittisheim, qui fait partie du doyenné de Markolsheim. Parce que votre force à vous dans ce challenge, ça va être de mobiliser les personnes autour de vous pour récolter des dons alimentaires et des produits d'hygiène. Ok? Donc, lui, il allait frapper aux portes des dames de la noblesse, leur expliquer, il a ouvert des orphelinats, il leur a expliqué que les enfants avaient besoin d'un toit sur la tête, de pain dans l'assiette et puis de soins quand ils étaient malades. Et ça les attendrissait, alors elle donnait. Alors je sais pas, essayez d'attendrir vos proches, vos voisins, je sais pas comment vous allez faire. En tout cas, je compte sur vous, et quand je dis je, c'est pas moi, c'est Saint-Vincent de Paul. Elle symbolise quoi, la croix? Oui, c'est le signe des chrétiens. Là, c'est un cimetière juif. Alors, essayez d'expliquer un peu pourquoi. C'est pas un cimetière comme les autres et c'est pour ça que je voulais qu'on le voit tous ensemble. Parce que je vais vous expliquer que la coutume juive est assez différente de la nôtre. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Des cailloux. Des cailloux, c'est quoi ces cailloux? Regardez juste la pierre tombale, le mémorial qui est juste là. Donc sur certaines pierres tombales, vous risquez de tomber sur une date, le 25e jour de Nisan de l'année 4073. Sur les plus anciennes, on va avoir par exemple une couronne. Et laurier, voilà. Ça vient de là. Donc ça veut dire que vous avez la connaissance, la sagesse, et que vous êtes couronné, vous avez achevé les études secondaires. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange.
Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie. Dans les cieux, nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Et ton cœur de père a désiré ma vie.